Et yo tout le monde, c'est Rémi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je passe une vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo voleur sur Rockford. Donc, avec mon magnifique skin. Donc, je suis sur MSS Click Rockford. Donc, nous allons faire un peu un voleur, donc de voitures, de maisons. On va essayer, même si je sais qu'il y a pas mal de maisons qui sont habitées par des gens lourdement armés, hein. Donc, j'ai pas tellement envie de les abattre, enfin, de les voler, quoi. Mais bon, on va quand même essayer. Donc j'ai un crochet sur moi et j'ai que ça, et on va tenter de voler plus de maisons ou de voitures. Je vous informe que pour l'instant je fais plus beaucoup de vidéos parce que je suis beaucoup plus actif sur ma chaîne Twitch. Où je vous invite à aller voir, je mettrai normalement le lien dans la description. Pour vous abonner à ma chaîne Twitch, je fais pas mal de Gmod. Je fais un peu de R6 aussi, je fais pas mal de R6, un petit peu de Gmod aussi de temps en temps. Quand j'ai envie. Mais oui, je vous invite à aller voir ma chaîne Twitch. On a quoi comme défi? Wow, pas des défis cool hein. Ce qui m'est très vite arrivé d'ailleurs. Complètement malade ce gars. Wow, wow. Non mais là vous pourriez tirer quand même. Hein. Faut tirer dessus non. C'est une pièce dessus, c'est du friqué là. Il était ouvert son véhicule au mec, mais pourquoi? Pourquoi laisses-tu ton véhicule ouvert? C'est un des véhicules que tout le monde a sur le serveur. Par contre ce véhicule, c'est vraiment le véhicule préféré des gens. Allez, la police est en peu, il y a un banquier, un maire, donc à la limite ça va. En fait, on a personne là, finalement, en termes de gouvernement. Ah, c'est rien de passer en moyen, c'est-à-dire qu'ils sont 4 quoi. C'est-à-dire qu'ils sont à peine 4. En vrai, normalement, je peux braquer des gens un peu tranquillement. Déjà, premier véhicule de voler, sérieusement. Un compteur qui n'apparaîtra pas parce que je suis pas assez fort mais tes compteurs je suis pas assez fort pour la conduite aussi. On va aller le revendre. Premier véhicule, ça fait quoi 2000 contours, on a déjà un véhicule. Mais si j'habite en Rockford aujourd'hui, ils auront plus de véhicules hein, parce que je suis là. Sérieusement, ils ont personne qui a de l'argent. Sérieusement, à peine, il ne ferme pas son véhicule. Pourquoi? Pourquoi ne fermes-tu pas ton véhicule? On va check-up le coffre. Donc je fais une coupure et je reviens dès que le véhicule est vendu parce que c'est très long à vendre un véhicule. Donc me revoilà, donc le véhicule a été vendu genre 140$. Ouah, c'est pas le genre de véhicule qui se vend beaucoup, mais en tout cas, au moins c'est toujours ça de vendu. De toute façon, je savais que ce véhicule, j'avais pas le vendre cher, je crois qu'il coûte genre 2000€. 2000€ et donc en plus de toute façon un véhicule que t'achètes 2000€ tu le revends quoi à 140$ comme ça là. Je comptais que j'allais pas le revendre cher mais bon c'est déjà bien. J'ai en tout ça fait quoi allez 1200€ d'argent sale sur moi. Je pense qu'on va s'acheter un pistolet en vrai. Je pense qu'on va s'acheter un pistolet. Pour raquer des gens, normalement il y avait un vendeur d'armes lourdes tout à l'heure ouais. On est juste à l'opposé mais bon. C'est pas grave. Je vais tenter une coupure, je pense. 50% c'est la moitié, c'est la moitié, pas de 20. Ah oui, parce qu'il faut un débat sur un mec, le banquier qui fait 14%. Il fait 14%. Okay. Bon, bah, il fait 14%, il va prendre 14%. Il veut prendre que 10, il prend que 10. Hein. Sans souvent, on prend que 10. Ah, Pierre-Gilles White est banni du serveur. Pierre-Gilles White. Il joue en flic la dernière fois, il joue en flic la dernière fois que je l'ai vu. En GIGN je crois. Je sais si c'était GIGN ou police normale, mais ils étaient pas tellement RP. Bah ça joue plus, ils ont carrément dit, oh ça doit appartenir à un admin. Ah j'ai RP vocal clairement les gars. Bon bah je vous coupe, puis on se revient dès que j'ai trouvé soit une maison, soit une voiture à voler, soit que j'ai été acheter une arme. C'est vraiment donc on est arrivé ici dans cette ville, il y a une voiture là qui est... Si elle est ouverte ou pas. Hop hop hop. Non 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 non. C'est un frérot. C'est un... On va aller pour toi sinon. Ah c'est un de mes potes. Ah c'est un Melrose. C'est Melrose. Ah c'est Melrose. Mais t'inquiète, t'es KT frère, j'aurai ta voiture. T'es KT frère, je l'aurai. Je disais bien je connais sa voiture. Il s'en sert lui, je le vois même pas connecté, il est même pas marqué dans le tab qu'il est connecté. Ah si il est là, Melrose Camorra, si il est là-dedans.
C'est le vendeur d'armes, bon, c'est facile de le pister. Ouais, c'est ça très drôle, mec. Il fait très très cher avec les MC points. Il a repris sa voiture. Non, il a repris sa voiture, mais le rose, je voulais la voler. Pas grave, j'aurais une autre voiture. Qui aime vu l'envoleur, si tu veux, t'as me promener sur toute la map pour savoir où il y a des maisons. Où il y a des maisons. Ils sont habités, genre les nappes, mec. On est 40 sur serveur, je parie qu'il y a au moins 10 mecs au spawn. Hein. Allez, qu'il y a 10-20 mecs au spawn, quasi. C'est la vie. On a vu des gens comme ça qui sont leur vie, pas sur vie au spawn. De toute façon, il est 21h15 pourtant à 22h. À 22h, tu peux t'endormir donc tu peux gagner pas mal d'argent. Mais là, sinon, je comprends pas où ils sont tous ces gens. Allez voir boîte de nuit tout à l'heure. En boîte de nuit, il y avait un mec. Il y a quelqu'un qui a buté boîte de nuit. Enfin, je suis pas allé rentrer chez lui parce qu'il était. Il venait de rentrer chez lui au moment où je l'arrivais, donc je vais pas croquer chez lui alors que il est chez lui, non. Sans connaissant les gens. Sans connaissant les gens, je sais qu'ils sont armés dans cette ville. La SK, je crois que ma SK elle est cassée, on va sortir une voiture un peu moins. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire 10 € de bénéfice pour se payer la Fiat 126p. Voilà, c'est le défi de ce soir, 10 000 €, même si je pense qu'on les fera pas. Prendre la focus, on va se déplacer en ville pour savoir ce qu'il y a des gens qui habitent. Hein. Parce qu'il faut. J'ai vu qu'il y avait un mec qui habitait dans un HLM, mais comme il est tout en bas, je connais pas les fenêtres, y'a rien. R. Donc. C'est pas là qu'on va aller. Donc, ici, c'est qui c'est ça? Ça, c'est passé Melrose qui est là. Tu sais, connu ma voiture de toute façon. Ils habitent là, je parie que c'est l'armo qui habite là, je pense. Melrose, attends, je connais pas le steam de Melrose. 21 à la fin. Et celui d'Amza, 82. Donc 21 et 82, c'est les poteaux. Ça vient donc de rentrer ici, ils vont être armés. Hein. Si c'est Melrose et Hamza, ils vont être armés, c'est sûr. Mais on va quand même tenter, sérieux. Elle est ouverte la porte derrière. Ils sont dedans, je crois. Ils sont dedans. Plutôt aller se faire la S4, je pense. Ce sera plus safe. Ça s'entend qu'ils font de l'illégal, ça s'entend clairement. T'entends le brouillard derrière le mur. Oh, il est reparti avec la voiture. Vas-y, go, on y va. Vas-y, les go, on y va. J'ai pas d'armes, je pire, je perds qu'un crochet et genre 200 et 300 dollars, c'est bon. Je suis quoi, 140 dollars depuis le début. Vivement, on voulait la voiture de Melrose. Hein. Il y aura forcément des printers, celle-là. Faut RF là. En vrai, dans ce jeu, faut toujours regarder en F5. Hein. On a pris le truc, on se casse. Attends, je vais voir qui est le serveur. Je peux juste prendre son Steam pour savoir qui c'est. Bonjour, vous êtes Samza. Même pas. Bon bah. C'était pas chez lui, mais en tout cas, j'ai piqué un. J'ai rentré, j'ai piqué le brouillard, je me suis pas rien. Bon, il fait de la coke. Bon, bah, on sait où est Melrose, on sait que sa voiture elle est là-haut. Wesh, qu'est-ce qui m'arrête? Le petit bord là, il m'arrête, wesh. La vie, des trucs comme ça. Ah, ça c'était Hamza, je crois. J'ai un doute, mais je crois que c'était Hamza. Hamza Kamora, je m'appelle Rémi Kamora in-game. Je suis parti de Kamora, mais bon, je traîne plus vraiment avec eux depuis un bon moment.
Ouais, ça fait un bon moment que je veux plus tous les voir. Donc. Hop, là, une maison habitée, c'est sûr. Braquage de banque, plus c'est un braquage de banque, tout de suite on est dessus. Hop, on habitait, celle qui allait habiter, je crois. En fait, j'ai vérifié les conteneurs là-haut. Parce que. Villa Gaïtéo. Il y a une kilo sur MSS. Hop, il y a un mec. C'est un... Oh, c'est le contrebandier qui est là. C'est le contrebandier. Enfin, si vous achetez un hangar ici, je pense. Où était vente en hangar ici, mais personnellement, je cherche pas mon mec, j'arrive. Libre. Je n'ai pas l'option de tout hangar achetable, mais celui-là il est vide, il n'y a pas d'hangar achetable ici. Non, non, pas achetable. Pas achetable, pas achetable, pas achetable, ok. Eh ben non, il n'était pas acheté, pas acheté, pas acheté. On va sur la maison là-haut, c'est pas grave. Ah, un livreur doit livrer ici, tiens, une palette. Généralement, je repère les trucs des fois dans la vie. Moi, je suis jamais frise. Ah, bah le voilà, le livreur. Quand je vous dis qu'un livreur, je dois livrer. Donc, c'est la villa Galino. Galino. Ah, ça fait de la coke en haut, à la limite. On va aller voir le garage. Pour moi, le goût crochet, on va aller voir le garage. Ah, déjà dit, on va faire le garage. Hop, Mercedes. Allez, hop, c'est bon. Allez, Mercedes. Voilà, c'est bon, quand j'éclate, c'est chez nous. Bon voilà, bon on avance un peu dans le quota je pense, on fait quoi 3000 avec celle-là je pense. Ah entre 2000 et 3000 pour moi, que celle-là je la revends moins 2000-3000 je pense. Elle vaut chier, une voiture qui vaut cher dans le jeu, c'est pas la voiture premier prix comme l'autre qu'on avait avant. Bon faut que j'aille rechercher mon véhicule là-haut. C'est embêtant. Descendez. Quelque chose me dit qu'ils sont pas très amicales, ils ont deux voitures. C'est la voiture de... Et tu pars pas toi, tu pars pas, je reste là. Putain, je le savais, les gars, je le savais. Bonjour monsieur, je me présente. Oui, ils sont combien? Ah oui, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez bien? Tout va bien? Oui, je vais bien, oui. C'est mon véhicule, d'accord? Ah, d'accord. Je sais pas, j'ai trouvé, il était ouvert. Ah. Il était ouvert, vous allez rester là, d'accord? Ouais, c'est mort, je mets que son AK derrière. Je le bouge pas trop. Donnez-moi votre carte d'identité là, vous montrez votre carte là. Et je l'ai perdu dans mon autre veste, mais je m'appelle Emile Jones. D'accord, vous voulez que je vous mette une main dans la gueule en compensation? Y'a pas de soucis, moi je vous mets une main dans la gueule. C'est pas grave, écoutez, y'a pas de carte d'identité, vous allez prendre un coup de poing. Sors le dos. Et mon garçon, c'est pas très bien de voler des véhicules quand même, hein. C'est pas très gentil. Vous voyez, je suis pauvre monsieur, j'ai arrivé en ville, je me suis acheté un crochet. Vous êtes pauvre. Je me suis là ouvert, puis c'est pas je me suis dit, je vais pauvre, voler tous monsieur, les véhicules. Qu'on est obligé de travailler des autres, hein. Mais monsieur, vous comprenez, moi je. Combien m'a coûté la voiture? Je sais pas, je suppose beaucoup, hein. 80 000 $. 80 000, ah ouais. Elle vaut cher, hein. 80 000 $. Une braque, c'est bon. C'est cher, hein, ouais. Il a son arme, je vais me barrer, mais il a son arme. Comment on fait maintenant? Je sais pas, vous me laissez en vie et je peux repartir tranquillement. Comme je suis arrivé. Je voulais repartir tranquille. À pied. Monsieur, vous avez combien sur vous? Bah, j'ai rien, j'ai 0 €. À part un crochet, à la limite, j'ai rien. J'ai 460. J'ai 0 €. Centaine mytho, mais je sais pas si ça passe. On peut s'amuser avec lui sinon. Oh, parce que moi j'aimerais bien une compensation, quoi, quand même. Enfin, mon véhicule, savez, monsieur, vous avez mis avait, votre gros cul dégueulasse plein de sueur sur mon siège en cuir, quoi. Alors, monsieur, vous savez, avec au lieu d'acheter un crochet, vous auriez pu acheter une pomme, la cirer, et je vais pas vous refaire le film, et vous faire beaucoup d'argent. Et au lieu, vous avez acheté un crochet. Mais je sais pas cirer les pommes, monsieur. N'importe quoi, vous. Je sais pas cirer les pommes. Ah, et écoutez, moi je peux en tout cas, je peux vous cirer si vous voulez. En 2 minutes, c'est vous êtes ciré aussi, d'accord? Oh non, merci, monsieur, j'ai pas tellement envie.
voilà, moi j'ai encore une question à vous poser. Comment on fait? Je sais pas, vous me laissez partir comme ça à pied tranquillement et on repart chacun de notre vous côté. Vous éliminez tout de suite maintenant ou... Non, je préfère repartir ça vivant et à pied. En ça mode j'y vais, au revoir, bonne journée. Je vous ai jamais rencontré. Oui, au revoir, bonne journée. Oui. Je suis aveugle. Avec moi ça se passe pas comme ça, chef. Ah. Et la voiture elle fumait? Et la voiture elle fumait ou pas? Parce que là je vois qu'elle fume. Hein. Bah j'ai oui, fumé déjà quand j'étais. Déjà, y a pas de souci. Voilà. Attendez, j'ai un coup de fil. Un collègue, on pourrait peut-être le donner oui, au requin, ça serait mal. Ouais, oh, ça mais pourrait être requins. Non, mais j'ai pas tellement d'aller voir requin, je suis un peu requin-ophobe. Bah, un petit 1v1 vs requin. Si vous gagnez, vous gagnez la liberté. Si vous perdez, bah. Tant pis. Une personne qui a volé mon véhicule. Ouais. Là. Nous sommes en train de casser la j'ai pas d'arme, moi, monsieur. Pour un 1v1 sans arme, c'est pas équitable. Je suis contre. Bah, écoutez, si vous avez un moyen de locomotion, venez au port. Moi, sinon, les gars, je propose notre esclave. On a besoin d'un petit esclave à la maison au lieu de. Là, j'aime trop ton esclave. Je commence voleur. Comme ça, il fera le vénage au niveau du dépôt. Il fera la vaisselle. Je suis une esclave. Mais tu fais, j'ai un moment de sourire, mais là, c'est un moment, c'est mort, je peux pas. Ou d'un homme de mais de toute façon, je les ai vus venir. Je les ai vus deux voitures noires comme la mienne arriver. Je me suis dit, je tente de me sauver, mais. Ah presque, attends, je reprends mon téléphone. Franchement, les gars, il y a un truc. Je finis mon affaire et je vous recontacte, monsieur Torkachev. Là, j'ai 2-3 claques à distribuer. Ah, mais je pense que ça va plutôt être des claques. Oui, je vais venir vous chercher. Parce... Ou sinon, on vous met une petite balle dans, le, dans les deux pieds et je, vous je essayez de marcher ou ramper comme un infirme. C'est bien aussi. J'ai pas tellement envie de me prendre des balles, je préférerais que vous repartiez à vos voitures et moi à pied. Fais-moi voir le bloc. Oh merci. Oh. Comprenez bien qu'on peut pas se laisser faire comme ça. Vous entachez notre autorité en volant de voiture. On peut pas vous laisser partir comme si rien n'était. Et monsieur, je peux vous dire quelque chose? Vous direz au paradis ou au diable, à Jésus ou au diable, qu'il fasse très attention à la famille Gallioni. Mon oncle, je te laisse faire ton boulot. S'il vous plaît, alors, non, monsieur, s'il vous plaît. Ouvre ta bouche, ouvre allez, ta bouche. Ouvre ta bouche. J'enlève allez, mon masque et attendez, j'enlève mon masque et j'ouvre la bouche. Ça va être chaud, t'inquiète. Enlève ton masque, y'a pas le corona ici. Allez gamin, hasta luego. Alors comment qu'on fait maintenant? Me laisser à rire. Attends, t'es vraiment le mec. C'était parti. Sinon je peux non, le faire. Vous me laissez partir s'il vous plaît. Laissez-moi partir. Ah, écoutez, je sais pas, moi je me tâte monsieur, je me tâte. Viens, après le requin, il a l'air appétissant, les requins vont bien l'aimer. C'est vrai, les requins. Tonton. Viens, on joue au Shifumi. Si tu gagnes, il meurt. Si je perds, il meurt. Je sais pas. Le hasard, c'est pas mon truc. Non, j'ai un jeu. Monsieur, chantez-nous une chanson maintenant. Vous devez nous chanter une chanson. Ok. Allez monsieur. Ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines. Chante les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Entre les huiles et les aromates. Allez petite infirme ta gueule. Tonton fais-le s'il te plaît. Je sais pas, je me tâte entre les requins et. Non et les requins. Je préférerais le requin. Entre les deux je préférerais les requins. C'est ça. Oh, tu sais quoi, au moins si t'as une chance de survie, tu te rappelleras de la famille. Comme ça, tu pourras en parler autour de toi. On dit comment s'appellent les gars déjà? J'ai oublié. De quoi? Monsieur va nous le dire. Ça commence par un G. Et un A, je crois. Allez, on va l'emmener au requin. Gallio, je crois, les Gallio, non, c'est pas ça. Il va plonger dans le grand bain, oui, c'est ça. On va aller te cheater, mais. Ouais, Gallio. Allez, plonger dans le grand bain, monsieur, suivez-moi. Je vous souhaite une excellente journée à vous. D'accord. Au paradis, on rentre en fait. Je sais où il y a des requins, collègues. Je sais où il y a des requins. Si ah bah allons-y, fait... allons-y. Okay. On va le faire monter dans la voiture, monsieur. Sur la moquette arrière. Non, je vais monter derrière avec sur la tombe. Ça. Ouais, allez, vous montez. Ici. Celle-là, ouais, c'est pareil. Non, l'autre. Là. Allez, l'autre voiture, tu comprends pas. Oui, tiens-toi. Bon bah on a un peu... Comment dire que je suis un mort. Elle est ouverte. C'est fichu. Prends celle-là collègue, prends la noire. Mais je sais pas conduire les gars. C'est pas grave, t'inquiète. C'est l'automatique. C'est juste là, hein. C'est à droite, je me sens qu'il y a un plongeoir ici.
Vas-y, moi je plonge, je me casse. Après, le pont, ça peut faire un excellent aussi. Pour voir, hein. Ouais, mais ici, c'est pas mal, regardez, c'est bien dégagé. Mais c'est sympa. Ah, hein. Belle vue ici. Mais tu vas descendre. Sympa. Allez, à toi, bon, à toi le saut, mon gamin. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Plouf! J'espère, Reste bien dans l'eau, écarte-toi, prends le large et reste. Me fait tirer dessus. Oh, je suis caché. Oh, je suis caché, les gars. Je vous dis, je suis un bête. Je suis caché. Les galios. Je veux dire, faut les retrouver, les buter. Guerre qu'à moi, galio. Ah. Ils ont compris. Je préférais replonger. Ah, plouf, 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 ils arrivent, nein, non, non. Je ne veux pas mourir. Pourquoi ils me tirent dessus, mais ils sont pas gentils. La mort, les galios. En fait, c'était là, il y a toujours cette échelle-là. D'accord, il est là. Putain, je suis mort, je suis dans la... Je ferai dit, les gars, je meurs. Dans 2 minutes, je meurs. Pour ça, ils ont un peu envie de me tuer, en fait. Hein. Je pense qu'ici, c'est très bien. On est un peu caché, on est entre les deux points. On va aller là-haut, je pense. On va sortir, c'est sortir là-haut. Chose me dit qu'il m'a vu et qu'il arrive. Non, je sais pas pourquoi. Ok, on va plonger, on sera plus simple, sera un peu plus sécurisé. Allez, on rentre ici, on crochette cette maison, on l'achète. Je sais pas sortir de l'eau. F2. Bon bah j'ai acheté maison de la plage, hein. 100$ pour... Ils sont là-haut. Non. J'ai acheté la baraque, je m'en fous, j'ai acheté la baraque. Oh, c'est les galios que ça se dit, hein, parce que... Est-ce qu'on tente de revoir leur voiture ou pas? Est-ce qu'on tente de revoir leur voiture ou pas? Un gonzo m'appelle Rémi Camora, je me saute. Demi-tour, demi-tour. Je crois que c'est pas un mec qui est arrivé. Je crois qu'ils m'ont repéré. Stop toi. Salut. Tu viens ici, dépêche-toi, viens. D'accord. Alors toi gamin, tu t'es mis dans une belle merde. Pourquoi? Il y avait pas de requin dans la mer. Tu viens sur le port, dépêche-toi. Ah, d'accord. Dépêche. Oui. Alors toi par contre, niveau connerie, t'es très élevé. Hein.
Pourquoi j'ai pas tiré? Tu vas au bout du ponton là, à côté de la lanterne. Oui. Alors mon collègue a été sympa, il s'est dit bon je veux quand même pas le tuer de sang froid, pauvre gamin, il a pas d'argent. On a décidé de te donner au requin et de te donner ta chance. Malheureusement tu n'as pas respecté les règles, tu n'es pas resté. Ouais. Laisse-moi, collègue, laisse-moi parler. Tu n'es pas resté dans le périmètre qu'on avait imposé. De ce fait, nous avons essayé de trouver, et mon collègue, comme vous l'avez vu, s'est fait tout simplement écraser entre le camion et ma voiture. Il s'est pris le pied dans la roue, une sombre histoire. Du coup, en quelque sorte, vous êtes quand même assez responsable de la mort de mon collègue. De plus, vous menacez ma famille dans le journal publiquement, comme si c'était impuni. Vous pas le choix, monsieur. C'est quoi votre nom déjà? James de la Jess? C'est quoi déjà? Non, Amy Jones, un truc comme ça. Amy Jones, bon, on s'en bat les couilles, au pire. De toute façon, ça n'aura plus d'importance. Les poissons, ils mangent tout ce qui tombe dans l'eau. Du coup, monsieur, vous ne donnez pas le choix. Je vais être obligé de vous abattre de sang-froid. Vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Un truc, une dernière chose à dire avant de mourir? C'est bien fait pour votre collègue. Non, je voulais me barrer dans l'eau, mais... Il est où? Il est mort. Allez, hop. Je suis qu'au stade de cadavre. Ordure. Ordure. Je suis pissé au cul. Putain. Je mérite pas... Voilà. Ça va être la... Ça va être la fin de la vidéo, hein, ben. On va se faire buter par les Galios, là. En vrai, c'est les Galios, c'est... Ils sont pas très gentils. Bah ça pour une prochaine vidéo, je rappelle pour ceux qui sont encore là, merci à vous de regarder. Faites un petit like, abonnez-vous, allez voir venez voir sur Twitch. Allez, salut.